Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Karki Evolution, un jeu dans lequel nous allons devoir tenter d'avoir la meilleure évolution de clé possible. Et évidemment, je ne parle pas de n'importe quelle clé, mais bien de clé de voiture. Donc à nous d'avoir la meilleure clé pour, pourquoi pas, avoir la meilleure voiture du jeu. Donc bah écoutez les amis, c'est parti pour ce jeu de folie. On commence sûrement avec une clé toute pourrie, quoique elle est en or, comme elle vaut 1000$, 1500$ celle-là. Ah oui, par contre, faut faire gaffe, les portails sont rouges. C'est-à-dire que normalement, quand ça te rajoute de l'argent, ils sont verts les portails, et là, malheureusement, ça va être chaud. Oh, j'ai perdu ma clé en or, et maintenant, oh, par contre, je la fais tourner, ça c'est très stylé. Allez, on a moyen de la remettre en or. En fait, à chaque fois qu'on gagne une nouvelle clé, je crois qu'on la perd en or, donc va falloir faire attention à ça. J'espère qu'on va terminer en or en tout cas, et voyons voir. Quelle voiture va-t-on pouvoir avoir? Alors, il faut reconnaître les clés aussi, hein. Celle-là, je sais pas quelle clé c'est, mais alors très stylée, franchement, je garderai bien celle-là. Non, j'ai changé, c'est la clé du portail, ça. Non! Non! J'ai fait n'importe quoi! Bon, on la met quand même en or, et voyons voir ce qu'on mérite, les amis. Attention, qu'est-ce que c'est? Oh! C'est pas mal quand même pour commencer. Une belle petite Porsche comme ça, c'est vraiment génial. Bon bah niveau 1 réussi les amis. Et si c'est le niveau 1 et que j'ai pas fait une... Ah oui d'accord, ça part tout seul quand même. J'ai pas le temps de parler mes amis. Si c'est le niveau 1 et que j'ai quand même eu une super voiture alors que je me suis pas mal trompé sur le parcours, alors imaginez les prochains niveaux, ça va être des voitures de plus en plus folles. Donc c'est parti, plus 600$ évidemment, on va éviter les pièges et là c'est parti. On l'a fait tourner. Il y a que celle-là qu'on fait tourner, je crois. Il y a que la deuxième clé ou la troisième. Hop là, moins 900, on va éviter. Moins 500. Alors ça, c'est quoi? C'est pas une clé de je sais pas, j'ai envie de dire Corvette, mais ça, on dirait vraiment la clé du garage, quoi. C'est juste abusé. Je suis pas sûr que ça donne une belle voiture, hein. J'ai bien envie de voir, franchement. On va essayer toutes les voitures, de toute façon, toutes les clés. Mercedes, ok. Oh, on a changé de PM. Ok. Et en plus, on l'a mis en or. Donc du coup, on va avoir une belle PM. Let's go. Je crois que c'est la C8, celle-là. Elle est incroyablement stylée. Oh, je suis pas fan de la couleur, franchement. Mais je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais elle est très stylée. Ok, Porsche, BM pour l'instant, on n'a pas les marques les plus chères. Mais ça devrait arriver. Alors c'est parti, il faut que je surveille aussi, je regarde pas la valeur de ma clé. Enfin je sais pas si c'est la clé qui vaut 3300. Ou plutôt la voiture, je pensais plus la voiture, hein. Donc 5400, on va voir si ça correspond. Genre la BM, combien elle a coûté, combien il y avait sur la clé, je sais pas, on verra ça tout à l'heure. Bon allez, hop. Plus 1200, ça fait 7500. Et ensuite, on va prendre le plus 500. Ok, on va passer à 10K. Je pense qu'on a déjà eu les 10K tout à l'heure. Ouais, on avait déjà eu cette clé, donc c'est parfait. On la met en gold. Ça rajoute un petit peu. Plus 1100, on se met bien. C'est une run parfaite, les amis. Là, nous avons la BM. Et là, maintenant, nous avons quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette clé de ouf? Attention! Oh! C'est... Les amis, je ne suis pas sûr, hein. Je suis pas un professionnel des voitures, hein. Mais ce serait pas une McLaren ça? Ou alors c'est peut-être une Ferrari, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que c'était au niveau 3, je ne suis pas sûr. Alors attendez, on va essayer d'avoir... Aïe, la clé la plus pourrie, on va voir ce que c'est la pire voiture lors du jeu. Là pour l'instant je suis à 0 et je compte bien rester à 0. Et si je me prends des pièges, ça fait quoi? Est-ce que je vais en dessous de 0 ou pas? Non c'est bon. Moins 1300, est-ce qu'on la met en or? Ah, ça m'a rajouté un peu de valeur. Aïe! Ah ouais, je crois que... Ok, au bout d'un certain temps, ça commence à faire des dégâts et malheureusement, on perd le niveau. Allez, on retourne à 0, on va voir ce que c'est. Alors, je sais pas, hein, qu'est-ce que ça pourrait être cette clé-là? Qu'est-ce que ça pourrait être la pire voiture du monde, les amis? J'ai pas envie de citer de marque, parce qu'après, on va dire... attends, c'est déjà très bien une Renault. Non, je voulais pas dire Renault, désolé. Donc allez, voyons voir ce que c'est, mais... vous savez, ah mince, j'ai pris un truc. C'est pas grave, on va faire un moins, hop là, voilà, je retourne à 0. Moi, ma première voiture, c'était une Citroën Saxo, hein. Ça va peut-être être une Citroën Saxo, hein. En tout cas, bon, la clé ressemblait pas à ça, malheureusement. Donc on va voir ce que c'est, attention, 1100, et... Ah, on la met pas en gold, on va pas en gold, parfait. 0$, je suis tellement content d'avoir la pire voiture du jeu. Mais c'est génial! Mais c'est génial comme voiture, ça, c'est super stylé! En plus, ça doit valoir énormément d'argent, c'est tellement vieux! Ah bah, je suis pas déçu, hein. Je vais peut-être rester à 0$, moi. Alors attendez, on va rester à. On va prendre la prochaine clé. On va tester toutes les clés. Il faudrait que je reste à celle-là, c'est la deuxième clé. Hein. Alors attendez, je vais reprendre plus 500. Moins. Ah mince, ça m'a mis à droite, pourquoi? Je vais prendre moins 1000. Ensuite, on va remettre plus 600. Il faut absolument réussir à avoir cette clé. Alors, cette clé, elle me dit quelque chose. Ah non, pas du tout, en fait. Non, je sais pas. C'est peut-être un Toyota ou un truc comme ça. Je sais pas. Plus 500. Pas trop. Plus. Ah, attends, je prends ça, comme ça, je peux prendre le moins 1000. Voilà. On est de retour à cette clé. On va éviter de prendre le gold. Hop là. Je sais pas, ça change quelque chose. En vrai, le gold, ça rajoute de la valeur, mais. Ah, je sais pas. Oh, attendez, on va prendre le 1000 plus 1000. J'espère que ça va me remettre cette clé. Oui, c'est bon. On a cette clé. Ah mince, attendez. Ah non, c'est bon. Attention, qu'est-ce que c'est la deuxième voiture du jeu du coup? Oh, c'est la même. What? Mais attends, c'est pas les mêmes clés. C'est quoi ce délire? Du coup, j'en ai deux comme ça là. Les amis, j'en vends une si vous voulez. Bon, allez, cessons de rigoler. J'ai bien compris qu'ils voulaient pas me donner une nouvelle voiture. Donc, allez, on va monter au maximum qu'on puisse faire pour ce niveau 7. Allez, hop. Plus 200, plus 200, plus 500, on est bien. On va essayer de remonter au 10K du coup. Ça pourrait nous mettre extrêmement bien. On prend le gold évidemment. Le plus 400.
Ok, ça va. Il n'y a pas de gros portail pour l'instant. Peut-être pour la fin, là. Il me faut un plus 1000, là. C'est pas possible, là. C'est, je peux pas rester comme ça, là. Allez, hop, on la fait tourner. On la met en gold, histoire d'être bling bling et de prendre le plus 600, le plus 800, le plus 400 et le plus 600. Et... Ah, ok. On l'a pas eu cette clé, les amis. On l'a pas eu. Qu'est-ce que c'est? Attention. Wow. Incroyable. On dirait la voiture dans Taxi Driver. Attendez, par contre, elles sont passées où, les voitures? C'est un nouveau garage. C'est mon nouveau garage. Trop stylé. En tout cas, c'est notre première cabriolet de la vidéo et c'est loin d'être la meilleure. Et j'ai pas vu combien elle coûtait, j'ai oublié. C'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Donc allez, on repart pour une run parfaite, évidemment. On va prendre les plus 800 et la petite gold. Ouais, parfait. On est de retour à la clé de garage et il faudrait quand même qu'on regarde ce que c'est quand même, la clé de garage, parce que enfin, je vous avoue que je suis très curieux de savoir ce que c'est. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, écoutez, je veux une run parfaite. Je veux une nouvelle clé. Oh, la Mercedes. Oh, je veux bien la Mercedes, s'il vous plaît. La Mercedes. Non. Non. Pas la BM. J'adore BM, mais on en a déjà une dans notre garage. Ah, et en plus, ils me redonnent la même. Ah, mais j'ai vu sur les images du jeu qu'il y avait une autre BM beaucoup plus stylée, genre une M5 ou un truc comme ça. Car oui, je préfère la M5 quand même à celle-là. Hein. Bon, très bien. On va essayer de s'arrêter soit à la Mercedes, les amis, ou à la clé que je demandais tout à l'heure. Ça, c'est bien une clé BM. Hein. Je suis persuadé que c'est la forme d'une clé BM. Oh, c'est peut-être une autre BM alors. Il faut qu'on teste, hein, c'est peut-être la M5 que je disais. Allez, on prend les 1000, on prend... Oh, il faut qu'on teste celle-là. Attendez, je prends le plus. Voilà, il faut réussir à rester à celle-là. Voilà. Non, je suis passé en dessous. Oh, mais celle-là est bizarre aussi. C'est quoi cette clé toute chelou? Attendez, on va prendre le plus 400, on va essayer... Non, elle est où la clé chelou? Non, je veux rester en Mercedes, non. Oh non, en plus celle-là, je crois qu'on l'a déjà eu. Hein. Celle-là, on l'a déjà eu, mais c'est le taxi, je crois. Taxi? Ah ouais, c'est ça, ok. Bon, dommage. Bon, allez, on va quand même essayer d'en avoir une nouvelle, ça ferait plaisir. Donc, celle-là, on l'a pas faite. Celle-là, on l'a pas faite, on est d'accord. Celle-là, on l'a faite. Je ne la veux pas. Merci. La Mercedes, je la veux. Mais malheureusement, il y a d'autres portails. Il faudrait que j'esquive tous les portails, que je saute par-dessus, mais malheureusement. Ou alors, aïe! Si mon calcul est bon. Oh! C'est une nouvelle BM! C'est une nouvelle BM, les amis! Oh non, on a changé! C'est pas la même clé que tout à l'heure, je crois. Je crois que ça va être une nouvelle voiture. C'est pas la même que tout à l'heure. Oh, let's go! La Lambo taxi! Elle est incroyable! T'imagines, t'appelles un taxi! Et il se ramène avec ça. Ha! C'est un truc de fou. Bon, alors, comment ça se passe maintenant? En tout cas, qu'est-ce que ce jeu est trop stylé. Surtout que le fait qu'on voit pas les voitures pendant tout le run, c'est vraiment... Tu te demandes ce que tu vas avoir, c'est trop classe. Je préfère me prendre ça. Aïe! Non! Je les ai pris, je me suis fait mal. Plus 1300. Ok, merci. Je veux une Mercedes, l'ami. Je veux voir laquelle c'est. Je veux voir laquelle c'est. Et alors, attendez, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais prendre le moins 1400. Hop là. Aïe, je crois que j'aurai pas. Non, non, pas la BM. J'adore les BM, mais c'est pas possible. J'en ai 50 000 de comme ça, là. C'est pas possible, quoi, à un moment. Bon, bah, pour la peine, je vais même pas tenter d'avoir une clé spécifique, les amis. Je vais juste tenter d'avoir la meilleure voiture possible pour ce niveau 11. Donc, c'est parti. On est déjà à 5K. On est déjà à 6K quasiment. On est à 6K. 6K,4 pour être plus exact. Plus 500. Plus 1000. Une clé en or. Et on va prendre, du coup, le plus 800. Hop. Plus 800 deux fois. Plus 600. Ok, on va se mettre bien. On va se mettre bien. Pas la BM. Pas la BM. Pas la BM. Pas l'autre BM. Si. On a l'autre BM. Mais c'est très bien. Oh, c'est une voiture électrique par contre. Attention, qu'est-ce que c'est? Et. Mais what? C'est pas possible d'arrêter avec cette voiture. C'est incroyable. Les abonnés, ils vont penser que je fais de la pub pour BM. À force d'avoir que ça dans mon garage, c'est un truc de fou. Bon, allez, cette fois-ci, on va passer à quoi on pourrait passer, les amis? Qu'est-ce qu'on a pas eu encore? Oh, celle-là est très classe. On n'a jamais eu la clé supérieure à celle-là, et on va l'avoir, les amis. Donc, plus 1300, une Porsche, 1200, une Ferrari, et bam, on a mieux que ça. On a mieux que la Ferrari, on a un téléphone portable, les amis. On a une télé. What? C'est quoi cette voiture de dingue? Ma meilleure voiture depuis le début. Let's go. Bon, par contre, du coup, j'avais plus de place dans mon garage. Donc, à mon avis, elles sont parties dans mon deuxième garage. Et on est maintenant, on entame le troisième garage de cette vidéo. Et là, par contre, je compte bien mettre les meilleures voitures du monde dans ce garage-là. Donc, offrez-moi les meilleurs portails, s'il vous plaît. Hop, plus 400. Par contre, j'ai que des portails tout pourris, en fait. Je crois que pour ce niveau 13, ça va pas être exceptionnel. Je pense que... Ah, ne vous désabonnez pas, les amis, parce que j'ai une voiture toute pourrie. C'est pas grave, ça ne change absolument rien. C'est pas ça le plus important. Allez, plus 400. Et voyons voir ce que c'est. Attention, la clé de garage. J'ai eu la clé de garage. On va pouvoir voir ce que c'est. Ah, bien, on ouvre le garage. Parfait, y a rien dedans. Non, c'est bon. Oui, je crois que c'est une petite Audi, ça. Une petite Audi A3. Toute simple. Ok, ça va, ça va, ça va. Hop, voilà, pas de BM. Je ne veux plus de BM. Je ne veux plus de BM. J'ai dit, j'adore, mais let's go, c'est quoi ça? C'est quoi cette clé, les amis? C'est quoi? Je connais pas. C'est quoi? Oh, une Lamborghini Aventador. Let's go, la meilleure voiture que j'ai depuis le début.
Yes! Alors là, les amis, c'est incroyable ce qu'on vient d'avoir. Attends, mais le niveau 16, ça commence avec des portails de ouf, là, plus 1100, plus... Mais c'est un truc de fou! Je suis déjà à combien? 4600! Même plus 4000... 1400, mais c'est ouf! 6000, je suis déjà... Mais c'est un truc de malade, ce niveau! Là, les amis, la meilleure voiture du monde va arriver. Là, c'est sûr à 100%. On va avoir une Bugatti Chiron. Attendez, je suis obligé de me prendre ça. Voilà, parfait. Plus 1400 encore. On est à 10700. On a une BM que nous allons pouvoir changer très rapidement. Plus 600. Ah, il faut que je me prenne les trucs encore. Ah là, non! J'étais obligé de le prendre, c'est pas grave. Plus 1200. Non, finalement, on finit pas tellement bien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah, ok, ouais, c'est pas mal. Allez, il faut que j'ai la Mercedes. Hop, voilà, parfait. J'ai pas pris le portail, sinon ça m'aurait sûrement mis la BM. Et ça y est, on peut enfin découvrir la Mercedes qui arrive. Alors, c'est quoi comme modèle? Non, ça c'est Audi, mais ça c'est quoi? C'est quoi comme Mercedes ça? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous avez le modèle de cette Mercedes. Et là, nous avons le retour des portails au début qui sont incroyables. Peut-être le nouveau record va arriver. Peut-être maintenant. Mais pour cela, il faut pas que je me trompe. Alors, plus 600, très bien. On est en gold. Plus 1100, plus 700. Plus 1300, ouais, c'est pas mal. Je sais pas si ça va le faire. Hein. Je sais pas si on va battre notre record, je l'espère. Le petit gold qui fait plaisir, évidemment. Plus 1500, plus 800, ok. On a des beaux portails pour finir. On a des très beaux portails. Hein. On a d'excellentes clés. On a une Tesla. On a une Porsche. Let's go! Une nouvelle Porsche, c'est ma deuxième Porsche de la vidéo, attention, qu'est-ce que c'est? Waouh! Attendez, c'est quoi ce modèle-là? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une vieille Porsche! Oh, bah, c'est pas la meilleure, hein. Les amis, j'aimerais bien avoir la voiture Tesla. Je sais plus à quel moment c'est juste après celle-là, je crois. C'est juste après celle-là, ça serait trop bien que je l'aie. Je sais pas si ça va être un modèle 3, un modèle X, même un Cybertruck, mais aïe, ça fait mal. Plus 700! Est-ce qu'on va l'avoir? Non! C'était quoi ça déjà? Je sais plus ce que c'est comme clé. C'était ok, ouais, c'est juste ça, c'est juste ce petit bolide. Allez, dites-moi que je vais l'avoir cette fois-ci. Plus 800, plus 600 et plus 700. Et malheureusement, je crois qu'on l'aura pas. Hein. Ah, on l'a toujours pas. Dommage. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah, ok, c'est juste ça. Ah, peut-être que là, attention, plus 1100. Non, en gold peut-être. Non, toujours pas. Bon, en tout cas, les amis, j'ai terminé mon troisième garage et j'ai trois lambeaux dans... Ah non, c'est dans notre garage. J'en ai une. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.